On va parler ce soir de la huitième édition de l'été métropolitain, alors que les vacances scolaires commencent demain. Bordeaux Métropole vous propose donc plus de 200 rendez-vous artistiques, culturels cet été. Et on va en parler demain soir hein, sur TV7 d'ailleurs dans une émission spéciale. Et on en parle dès ce soir avec vous, Michel Héritier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être sur notre, notre plateau. Alors, c'est quoi l'été métropolitain en quelques mots euh, À quoi ça sert Alors, l'été métropolitain, c'est un ensemble d'événements soutenus par, par Bordeaux Métropole, euh, qui, euh, qui permettent aux, aux habitants de, de la métropole d'aller euh, pendant tout l'été, du 20 juin en l'occurrence cette année jusqu'au 31 août, sur des événements euh, de préférence en plein air, euh, tels que le, du, spectacle, du spectacle de rue, de, de la musique, de, de la danse, des, euh, aller manger aussi à l'extérieur tout simplement. Et euh, ces événements euh, sont euh, gratuits, pour 95% des. ce qui était important de dire, donc accessibles au plus grand nombre. Mmh. Donc l'idée, c'est de circuler sur, sur la métropole et puis d'aller voir ce qui se passe en dehors de sa commune aussi, mmh. quelque à part. À qui ça s'adresse justement À tout le monde, à tous les habitants de la métropole Ça s'adresse à public... tous les habitants de la métropole. Des, euh à la fois des plus jeunes jusqu'aux jusqu plus âgés aussi. Ouais, voilà. Parce qu'il y a plein, une ont... diversité, on imagine, de rendez-vous. Est-ce que vous pouvez voilà. nous en citer quelques-uns Je ne sais pas qui, qui vous ont marqué dans la programmation de cette année. Dans la programmation de cette année, on a quelques, quelques, quelques événements, notamment sur des voyages photographiques, hein, ouais. des voyages photographiques sur, dans certains lieux. On a aussi des, des spectacles pour les tout-petits. Voilà, c'est ce que je vous disais, des spectacles pour les tout-petits qui sont proposés. Ou encore des ban des banquets XXL pour euh, mettre en avant le, le, le volet gastronomique de cet été métropolitain. Alors justement, voilà. comment est-ce que vous, euh, à Bordeaux Métropole, vous les choisissez euh, ces événements Alors voilà. Donc nous avons mis en place un comité de suivi que je préside. Ce comité de suivi est constitué d'adjoints euh, à la culture et de directeurs d'action de culturelle de, de, de quelques communes de la métropole. Nous, nous lançons un appel à projets sur la base d'un cahier des charges. Alors, cette année, nous avons retenu le thème de la liberté, puisque nous sommes associés à la Biennale de la ville de Bordeaux sur le thème de la liberté. Et à partir de ce cahier des charges, les, les opérateurs euh, nous proposent des projets. Donc cette année, nous en avons reçu une centaine, et, que nous, avons, et nous avons fait une sélection sur ces projets, notamment en fonction des critères. Euh, qui sont l'itinérance aussi parce que euh, je disais qu'il fallait, fallait faire circuler les, les, la population sur la métropole mais l'idée c'était en priorité cette de faciliter la mobilité l'itinérance sur la métropole. Oui. Donc à partir de ces 101 projets, on en a retenu 28 qui nous semblaient correspondre et qui étaient bien répartis aussi sur l'ensemble des communes participantes puisqu'on n'a pas moins de 26 communes sur 28 qui, euh, qui sont partenaires de, de cet été métropolitain. C'est aussi, euh, c'est donc des rendez-vous euh, artistiques, mais c'est aussi l'occasion de découvrir finalement des lieux de la métropole qu'on connaît mal. Si on habite euh, à Talence, on ne va pas souvent à aix par exemple. C'est l'occasion de connaître ces lieux euh, euh, parce qu'on se rend compte que euh, les la, les habitants de la rive gauche ou de la rive droite, inversement, ne connaissent pas, mm. ne connaissent pas ce qui se passe de, de l'autre côté de la rive. Et il, vous disiez que vous rappeliez que c'était la huitième édition, oui. et euh, au bout de huit ans, on se rend bien compte que les la, la population de la métropole a pris l'habitude de se déplacer dans le cadre de ce, de ce type d'événements. Justement, c'est quelque chose qui se fait voilà. euh, de plus en plus. Non, on a l'impression qu'il y a une mobilité oui. qui est quand même plus, oui, plus oui, grande oui, aujourd'hui qu'il y a oui. quelques années sur la métropole. Les habitants circulent hein, oui. sur, sur la métropole. Alors, quand, il y a quelques années encore, on, on sortait difficilement de sa commune, ou même franchir la Garonne. Il hein, oui. y avait cette, cette habitude. On disait, bon, euh, franchir la Garonne dans un sens ou dans l'autre, on n'était pas très. Euh, voilà, c'était pas très c'est oui, facile c'est la huitième édition euh, quel, quel bilan est-ce que vous tirez des précédentes éditions euh, en termes de fréquentation par exemple euh, on peut parler d'un succès pour l'été métropolitain oui on peut les, parler d'un succès euh, puisqu'on touche plus, euh, entre 100 et 200 000 personnes suivant le, suivant le cas et on le voit bien le, les soirs d'été lorsque les gens viennent se rassembler dans un parc pour un spectacle euh, ou autre, c'est un véritable succès oui. et on est en train de créer on a créé petit à petit cet esprit métropolitain et cette dynamique métropolitaine qui fait qu'on se retrouve quelque part. Euh, autour de ces événements pour ne, pour ne citer que cet exemple-là. Et vous avez la preuve alors que, par exemple, un, un spectacle à saint médard en jalles ce ne sont pas que des habitants de saint médard en qui, qui font Absol oui, vous des sondages Absolument. On des sondages pour oui, savoir. Oui, 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 les oui, gens. oui, en principe, on est à peu près moitié, moitié, moitié de métropolitains et d'habitants de la commune. Mm. Alors, ça dépend aussi la, 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 le, le type de spectacle, bien entendu. Voilà. C'est un véritable succès. Alors, et c'est a... inscrit dans, la, vraiment dans, les, oui. dans le calendrier de l'été. Et en plus, cette année, on, on est. Associé à la, à la saison Liberté, à la biennale Liberté de la oui, ville de Bordeaux. C est, c est on, a, on a ouvert, on a inauguré, euh, fait l'ouverture officielle de l'été métropolitain le jour de l'ouverture officielle de la, de la fête du fleuve avec Liberté, en amenant un refuge périurbain sous les quais euh, pour, pour marquer euh, véritablement cette cette ouverture-là. Alors justement, les refuges périurbains, eux aussi, ils contribuent, on oui. peut le dire, au rayonnement de la métropole. C'est quelque chose qui marche très bien. Vous avez oui. inauguré, il me semble, le 11e refuge périurbain il y a quelques semaines. Oui. Alors racontez-nous, est-ce que ça marche toujours aussi bien Est-ce que euh, ils sont pris d'assaut l'été, ces refuges périurbains Parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un, un phénomène autour de, de ça. Oui, nous sommes maintenant à 11 refuges périurbains. La station orbitale y a été inaugurée il y a quelques semaines. Nous, alors c'est un hébergement gratuit, gratuit. Où on peut venir passer une nuit dans un lieu complètement insolite, improbable, oui. comme j'ai l'habitude de le dire, et qui permettent aussi de cheminer sur la métropole. C'est pareil, c'est un peu comme l'été métropolitain. Mmh. On peut aller voir sur un autre territoire de la métropole ce qui se passe et qu'on ne connaissait pas forcément bien. Et ce qui nous a amené à mettre en place un système de réservation d'un mois sur l'autre parce oui. que euh, on ne peut réserver que le premier jour du mois pour le, pour mois, le mois suivant, suivant puisque voilà. au, au départ puisque les refuges sont ouverts de, de mars jusqu'à jusqu fin novembre on peut réserver sur toute la période hein. et certaines périodes qui étaient plus publicitées que d'autres mmh. forcément là, cet été on imagine euh, que voilà. c'est déjà voilà c'est déjà donc le premier jour on a euh, quelques plusieurs milliers de connexions qui font que les réservations se font se font en ce moment là et ça a un voilà. succès même euh, au delà de la métropole puisqu'il y a même des réservations de qui viennent de l'étranger pour aller euh, absolument absolument bon, on peut dire qu'on a à peu près les entre deux tiers et trois quarts de réservations de, de métropolitains, oui. mais on a m, pas mal de réservations d'Aquitains, même de l'étranger, et d'ailleurs on nous on nous sollicite régulièrement pour présenter euh, ce disp, ce, ces œuvres d'art, ce sont des œuvres d'art, hein. oui. euh, des refuges qui sont assez, qui sont uniques hein, dans le monde, enfin au moins en Europe, pour faire pour faire, pour faire du oui. cours, hein. voilà. Merci beaucoup Michel Héritier. On l'a donc dit, hein, l'été métropolitain, euh, vous le voyez, hein, est ouvert puisque ça va durer jusqu'au 31 août. C'est rendez-vous euh, artistique un peu partout dans la métropole et tout le monde est bien sûr euh, convié puisque euh, c'est gratuit. Merci à vous d'être venu euh, sur notre plateau. Vous restez Merci. avec nous euh, sur TV7. Euh, demain, une édition euh, spéciale hein, justement avec euh, Bordeaux Métropole euh, pour parler euh, de tout ce qu'il y a à faire dans la métropole cet été.